Alors en fait, l'idée du spectacle est née à Avignon en 2006. Et on jouait un spectacle avec Alex, Alexandra, Contaouir et Azioté. Et à un moment, on a évoqué l'idée de monter des petites formes sur le thème des accidents de vie, des accidents de parcours. L'idée a germé de cette manière-là. Et qu'après, on a fait une proposition aux comédiens, à eux de ramener un texte, une histoire, voire un concept, etc. Et ensuite, toute l'équipe s'est mise au service de l'histoire de chacun pour que le spectacle trouve une unité. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Un accident de vie, un accident de parcours, c'est toujours quelqu'un qui va détruire, déstabiliser une personnalité, un individu, et dans des cas extrêmes, effectivement, qui peut conduire à la mort. Toutes les histoires ne vont pas systématiquement dans ce sens-là, mais effectivement, elles peuvent s'aiguiller vers cette solution tragique. C'est plusieurs petites histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, a priori, sauf cette thématique commune. Et ces histoires forment tout de même un ensemble, quoi. C'est-à-dire que une des histoires crée le fil rouge, donc c'est l'histoire de cette vieille dame et son chien, et s'intercale donc des petites formes où des techniques et des échelles différentes sont utilisées pour justement rendre chaque forme plus, pour qu'elle corresponde mieux aux propos qu'on veut bien lui attribuer. Un spectacle qui aborde effectivement des thèmes durs, cruels parfois, mais je pense qu'on fait passer des messages, mais on peut les faire passer avec le sourire aussi.